Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012. Avec moi Stéphane Vincent, bonjour. Bonjour. Donc, qui est directeur des offres stratégiques chez Altorway. Exactement. Et vous vous occupez notamment d'une offre stratégique appelée H2O. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors H2O, c'est une offre que vient de lancer Altorway, qui recouvre en fait qui couvre deux besoins principaux de nos clients, qui sont les besoins de cloud privé et les besoins de cloud public. Donc concrètement, on adresse ces deux besoins aujourd'hui avec deux technologies différentes, mais dans un souci de convergence à moyen terme. Pour le cloud privé, on s'appuie sur la technologie OpenStack. C'est une technologie qu'on a mis en œuvre depuis plusieurs mois maintenant et qui est déjà en production chez nous, puisqu'on c'est via cette technologie-là qu'est opéré le marché de support logiciel libre interministériel qu'on a remporté un peu avant l'été et qui nécessite la mise en œuvre d'un certain nombre de machines virtuelles dans un environnement sécurisé et privé. Et à cette occasion-là, on a déployé un OpenStack dernière génération pour opérer ce marché. Donc on a une première expérience significative sur ce cloud privé. Mmh. Et ce qu'on vient de lancer semaine dernière, c'est la deuxième génération du cloud public, qui pour le coup est très très innovante, puisqu'on s'appuie sur des solutions toujours 100% open source pour respecter bien sûr les gènes d'Altorway et notre volonté d'implication et d'impliquer les différentes communautés et de fédérer ces communautés. On s'appuie sur un projet qui s'appelle Ovirt, qui nous permet de délivrer à nos clients un service, très très innovant, puisqu'il nous permet d'offrir à tous la scalabilité promise par le cloud, mais qui nécessitait jusqu'à présent un certain travail pour pouvoir en bénéficier, de refondre ses applicatifs, de les cloudifier comme on peut l'entendre parfois. Altorway a pris le parti d'écouter ses clients et de dire on va vous faire bénéficier des avantages du cloud. On parle de scalabilité, on parle de facturation à la consommation, et ça sans que vous ayez une seule ligne de code à modifier. Pour résumer, je pourrais dire le cloud, c'est maintenant et c'est pour tous. Donc c'est vraiment l'ambition que porte l'offre H2O, qu'on a annoncée donc semaine dernière, qui permet donc à chaud de redimensionner les machines virtuelles achetées par nos clients sans interruption de service, sans aucun ralentissement. Et donc finalement, ça change un petit peu le paradigme côté client. On n'a plus besoin aujourd'hui dans l'hébergement de dimensionner ces machines et d'acheter ces machines en fonction des pics de trafic qu'on va pouvoir avoir ou des pics de sollicitations matérielles qu'on va avoir. On est capable aujourd'hui de dimensionner et de ne payer que le régime nominal. Et puis grâce à nos mécanismes de scale, on va dire scaling ou de scale vertical, selon les usages, on est capable de redimensionner à chaud ces machines virtuelles pour absorber des pics. Et donc ça change complètement la donne. Après, on s'inscrit plus globalement un peu plus dans la durée. Les deux offres que j'ai évoquées là sont des offres d'infrastructure as a service. Et on se projette déjà, nous, sur fin d'année et début d'année prochaine, avec la notion de plateforme as a service. Donc on va offrir à nos clients, tant sur la partie privée que sur la partie publique, un pass, et on va aller plus loin. On va essayer d'automatiser entièrement ce pass, d'industrialiser ce pass pour aller jusqu'à ce qu'on trouve sur le net la tendance no ops, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin d'opérateur système chez nos clients parce que tout aura été automatisé en interne grâce à notre connaissance à la fois du monde de l'hébergement et du monde applicatif. On est capable de rentrer dans une dynamique dite DevOps qui permet d'offrir une chaîne totalement industrialisée. Et fin de cette année ou début d'année prochaine, vous aurez, tout le monde pourra bénéficier du pass sans aucune connaissance informatique. D'accord, l'idée c'est que je puisse installer en un clic quelque part une application. Voilà, une application qui répond à vos attentes, à vos besoins, qui soit customisée et qui soit administrée par nos équipes. Donc derrière, vous avez besoin d'un site web, vous avez fait le choix d'un CMS comme Drupal, vous allez avoir votre Drupal installé, customisé à vos besoins, sans avoir besoin de maîtriser spécifiquement les enjeux système qui sont sous-jacents. Voilà. Très bien, merci beaucoup Stéphane Vincent pour cet éclairage sur l'offre H2O. Merci. Au forum, bientôt. Merci, au revoir.